Alors j'arrive pile, hein. Nous tombons contre qui? Las Haricots, Las Smashers, j'ai pas vu ce que c'était. Certainement des orques, en tout cas il semblerait. D'après le logo, salut Lady, j'étais justement en train de faire les abdos que tu m'as donné la semaine dernière. C'est fait! Alors j'ai 120 000 de petite monnaie. Ouais, c'est ça. Ouh là là, oh là là, ça a pas l'air joli ça à voir. 2, 4, 6, 8, 10, 12 joueurs. Châtaigne. Tacle, tacle, châtaigne, châtaigne. Ah, c'est de l'anti-bafon à fond ça. Salutations Tiboum the Goblin, comment vas-tu? Salutations Aken, comment ça va? 120 000, bah écoutez, on va prendre des corruptions. Deux corruptions, un coach assistant. Et on va agresser, hein. Ça me semble pas mal ça. Tu en veux des nouveaux? Je suis toujours preneur. On va attaquer. On va attaquer parce que j'ai un troll griffe châtaigne. On risque d'avoir mal. Hein. Avec deux châtaignes. D'accord, il est placé direct. Avec deux châtaignes comme ça. Il donne beaucoup de joueurs. J'ai l'impression. Merci oulala oups. Pour toi, je m'agace déjà. Salutations le cerbelle, comment tu vas? Bon, on va taper là. Il me donne beaucoup de joueurs. Alors, on va taper ici. Est-ce qu'on fait de la frénésie là? On peut faire de la frénésie ici. On pourra taper là. Je pense qu'on va essayer de taper le plus de monde possible en fin de compte. Hein. On va ramasser avec qui? Est-ce qu'on ramasse avec le lanceur? Ça me semble pas mal. Là, on aura 2 dés avec blocage châtaigne. Là, on aura 2 dés. J'ai pas besoin d'avoir un support. J'ai 2 dés. Là, on aura 2 dés. Et là, on trouvera peut-être un 2 dés avec notre gob. Je commence par 2 dés ici. Non, 2 dés là. 2 dés là. 2 dés là, et on verra ce que fait le troll. D'accord, Aken. Après, c'est une question d'expérience, réellement. La balle sort, c'est parfait ça. Coach brillant, on récupère une relance. On va mettre la balle... Est-ce qu'on met la balle au coureur d'égout? Non, j'ai bien envie de mettre la balle au lanceur, moi. Il est loin, il est tranquille. On va pas s'embêter sans s'étendre. On va commencer ici directement. Ouh, bah... Écoutez, on a pris une relance, on va la prendre direct. je vais l'envoyer là. Et je vais rester. Ensuite, on a dit qu'on avait un 2D ici. C'est pas mal. Et on va rester. Ok. Maintenant, on a un 2D vers 2D. Ah, une première armure, une commotion, pas mal du tout ça. Sur un bloqueur, il a un apothicaire. Est-ce qu'il va le prendre sur un costaud? C'est bien ça. Bon, on a dit que mon joueur était vraiment... Qu'est-ce que j'ai foutu, moi? J'ai pas mis mes gnoblards. J'ai pas du tout réfléchi et j'ai pas mis mes gnoblards. Bon, eh ben, j'ai fait une bêtise. Évidemment, le troll se rate. Hein. Je vais rester... 2. J'ai pas encore blitzé. Je peux blitzer ici. Je vais poursuivre. On va se mettre là. Là. On va se décaler avec le coureur. J'ai pas envie qu'il se fasse défoncer direct. J'ai fait n'importe quoi, vraiment. On va se décaler là. Est-ce que lui peut me rattraper? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non.
Et maintenant, on a un 2D avec le gobe. Et alors, bien sûr. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. On va le faire tomber. On fait tomber où, là? Est-ce que j'agresse? Poursuis. Et on va agresser. Alors, je vais agresser lequel? Celui-là est à plus 2. Celui-là est à plus 3. Je vais me mettre là, je vais agresser. Ça n'est pas passé malheureusement. Alors qui je n'ai pas vu encore? J'ai fini le Blood Pass, je peux maintenant jouer les bas-fonds gratos. Salutations Fred, comment vas-tu? Salutations Mamadouman, comment ça va? Ouais, la santé va très bien, je te remercie, et toi? Salutations le Turtle. Salutations Giz, comment vas-tu? Merci Aken pour les pom-pom. Salutations Ludovine. Et salutations Dams, comment vous allez? Je vais commencer à avancer un peu par là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il peut pas vraiment venir me coller. On va avoir un seul Blitz ici. Et ça va être certainement sur un gob, je pense par là. Bon, ça touche, hein. Évidemment, il attaque là. De bonnes compétences. Alors après, je sais pas si c'est utile de mettre deux fois tacle très rapidement. Sur les blitzers. Ok, il décide de venir là. D'accord. D'accord. Il met un tacleur sur mon gob, c'est plutôt une bonne idée. Je suis en train de regarder ce que je peux faire. J'ai le sentiment qu'il va beaucoup beaucoup coller. Alors là, ce que je peux faire, c'est une transmission, enfin c'est ouvrir un passage, vu qu'il n'a pas de garde, faire une transmission à mon coureur. Je peux venir là. Non, je fais pas de transmission si je viens là. Qu'est-ce que je peux faire ici? Je vais pas commencer par le troll, même si évidemment je vais taper avec le troll là, maintenant qu'il a griffe. Là, j'ai un 2D. Je pourrais éventuellement. Là, je peux avoir un 2D avec le gob. Mais c'est un 2D vers un D. Donc non, ça me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Il m'a plutôt bien encerclé. Si je tape ici et que je me rate, le problème c'est que il peut directement blitzer mon porteur. Je peux aussi venir là, blitzer là. Ouais, je vais faire ça. Je blitz, je me mets là. Je tape à 2D vers 2D. J'avance mon coureur, j'avance mon lanceur et je fais une transmission. Ça me plaît. Allez, la petite châtaigne qui peut tiquer. On va rester. Et de deux, les bas-fonds qui ont décidé de faire mal aujourd'hui. Ah, ils n'ont pas joué depuis 10 jours, évidemment. Ensuite, je me mets là. Ça me permet d'avoir un 2D vers 2D maintenant. Mais je vais peut-être pas commencer par ça. Je pensais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vois. J'aime bien un truc comme ça, moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On se colle. On fait la transmission. Il y a un tacleur ici. Il peut tenter une esquive, par contre. Voyons ce que ça donne. On va déjà commencer par ça. Ça, c'est bien. Ça me plaît bien. Mais du coup, est-ce que je vais faire quelque chose là? Je vais pas avancer en fin de compte, hein. Pourquoi j'avais envie d'avancer? J'aime bien venir là, en fin de compte, plutôt.
Là. 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 Bon, tant pis, hein. J'aurais bien aimé réussir, mais tant pis. Là. Allez, allez, le troll, fais-toi plaisir, là. Tu peux lui faire très très mal. On va le poursuivre. Dommage. Je pense que je vais faire une esquive ici. Bon, je vais la prendre. J'ai voulu tenter, j'ai raté, je la prends. J'avais bien envie d'essayer de refermer par là. Parce qu'après, j'aurais tenté une esquive avec le gob. Mais je l'aurais faite que si j'avais réussi à refermer ici. Ok, il tape mon troll. Bon, ça me va, hein. Le troll, réellement, il risque pas grand-chose. Alors, il tape partout. Il faut qu'il... Enfin, moi, j'aurais peut-être commencé par son tacleur ici, hein. Venir annuler un support, peut-être taper le coureur. Je suis pas trop fan de ce qu'il fait là. D'ailleurs, je comprends pas très bien l'idée. Ok, il vient coller mon gob, ça me dérange pas. Ah d'accord, les consoles, ils ont un patch demain. Salutations à Kaito, comment vas-tu? Parfait, ça tient ça. Bon, ça tient pas par contre, malheureusement. Ah, il a pas pris blocage. Il a pas dû voir que j'avais pas blocage. Je pense qu'ici on blitz là. Par contre, faut faire tomber. Si on fait pas tomber, c'est pas génial. Toi, tu te relèves. Le troll se relève. J'aime bien l'idée ici, hein. Si je tape et que je fais tomber, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un GFI. Gob. Est-ce qu'il n'y a pas mieux que ça? Est-ce qu'il n'y a pas un surf ici? Ouais, le surf, il est pas aisé, hein. Ah, vous êtes fait cambrioler à Kaito? T'habites où à Kaito? Ah, vraiment désolé, hein. Alors, ça me plaît pas trop là ce qui se passe quand même malgré tout. J'ai bien envie de le tenter. Si je le passe, on est bien. On reste. Je vais faire le GFI, hein. Là, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va se mettre là. Là. Là, il n'y a pas de tacleur. Hein. Salutations, Cypherloo, comment vas-tu? Lui, il attaque, là, ça m'embête un peu. Là, est-ce que je prends le 1D? Parce que là, s'il me tape, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est pas génial, hein, tout ça. J'ai bien envie de prendre le 1D ici. On va dire que ça suffit. Je vais rester. Je vais me mettre là. Peut-être pas là même. 2, 3, 4, 5, 6. On va se mettre par là. 1, 2, 3. Je pense qu'on va tenter les esquives ici. La première est passée.
La deuxième est passée. Et la troisième est passée. Et là, le 1D vers 2D contre. Non, je vais pas le faire. Non, 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 non. Je ne vais pas le faire. Salutations, Laurent Dard. Comment vas-tu? Eh ben, dis donc, Kaito. En fait, ici, j'ai envie de faire marquer Ombrelame parce que il a chef. C'est vachement bien, mais il a aucune compétence qui le sécurise. Donc, si je me prends un coup, j'ai pas blocage. J'aimerais bien avoir blocage. Alors, il blitz sur qui? Il blitz sur le gob, là, d'accord. D'accord. Ok, Vini prend un coup. Allez, Vini. Ça va, l'armure tient. Artak tient. C'est plutôt pas mal. C'est même très très bien. Est-ce qu'il va apporter un joueur pour avoir un 3D, un 2D, pardon? Parce que là, il a qu'un seul dé. Ouais, ça, je m'y attendais un peu. Je pense qu'on va apporter le gob. Ah, on va peut-être pas apporter le gob en fait. Je pense qu'on va plutôt faire une esquive avec le... Ah, je sais pas encore. Là, on a un 2D, hein. À la limite. Non, on a plus de 2D parce que l'armure est passée malheureusement. Mais on a lui qui peut revenir. Il va peut-être tenter un 1D ici avec le châtaigne. Si lui revient, on peut annuler ce support. On peut faire un 2D là, sur le tackler avec le châtaigne. Ça me plaît bien, moi, ça. Si on le fait tomber, c'est très bien. Si on le fait pas tomber, malheureusement... Est-ce qu'on a un truc bien à faire si on le fait pas tomber? Récupération physique, petit tournoi samedi à domicile. Tournoi de quoi, Laurent Dard? Ah, ben justement, ça, Ombrelame, on parlait de toi. Ok, il a préféré faire l'esquive ici, d'accord. Bah écoutez, je prends. Hein. Bon, là, pour l'instant, le troll est tout seul. On va relever là, on va se mettre là, je pense. Là. On va tenter le 2D ici. Si on fait tomber, on est bien. On fait tomber. Est-ce que je poursuis? Ouais. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. D'accord. Là, on va blitzer. Aïe. Ouf, c'est pas passé loin. Je reste. Je vais me coller là-bas. Toi, tu te relèves. On va laisser le troll. On va pas le... On va rien faire avec. Par contre, je vais faire l'esquive ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, cette esquive, si je la rate, je l'aurai relancée. Je l'aurais relancé parce que je mettais celui-là en position de venir le coller. Celui-là peut venir le coller, mais avec un gob ici, je pourrais refaire un blitz. Il peut pas le surfer. Il a pas le mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et éventuellement, on trouvera peut-être quelque chose pour nous le surfer ou pour trouver une solution. On verra, on verra. Là, on a marqué des joueurs. Ouais, on va rester comme ça. Récupération physique, petit tournoi de Blue Ball. T'es sérieux, Laurenda? D'accord. Ça, c'est très bien hein, que l'armure ne soit pas passée. Ok, il va peut-être tenter les GFI. Non, il les tente pas, d'accord. Hé, hey, t'arrêtes de toucher mes gobes là? À faire des pots? J'ai du mal à imaginer quand même que c'était hyper important de devoir... je ne sais plus ce que j'allais dire. De devoir faire une récupération physique après un tournoi de Blood Bowl. Voilà ce que j'allais dire. Ok, je suis pas très fan de ce qu'il vient de faire. Je sais pas trop l'intérêt ici. Là, j'ai de nouveau un blitz.
Et allez, je vais marquer, hein, par contre. Je vais pas temporiser parce que sa défense est agressive, hein. Il met vraiment la pression. Ici, il a un dé, mais sans blocage. Est-ce qu'il va le tenter? Non. Alors, ce qu'on va faire ici, on va quand même taper le tacleur avec notre châtaigne. Hein. Parce que ça, c'est toujours bon à prendre. Hein. Je vais quand même le relever, lui. On ne sait jamais. Je vais venir là. Et on va blitzer. On reste, bien sûr. On passe l'armure. Du coup, est-ce que je marque? Ouais, bien sûr que je marque. On prend 3 points sur le lanceur, hein, je vous le dis, il nous faut blocage rapidement maintenant. Après chef, on a envie d'avoir blocage. Ok, alors je vais pas faire la même erreur que tout à l'heure, on va rentrer des gnoblards. Parce que j'ai pas fait le déferlement tout à l'heure. C'était pas terrible. On va faire comme ça. On va mettre des gobelins, tant pis, on va prendre des coups avec les gobelins, il a des tacleurs, c'est pas grave en soi. On va faire comme ça. Le chef à l'arrière. On va se mettre comme ça. Et on va avoir deux snots. Excusez-moi. Je dis encore Gnoblar, mais ce sont des snots, hein. Il ne faut pas l'oublier. J'ai deux snots qui peuvent rentrer. J'ai Devine et Coupe aux Pops. Et pour l'instant, sur le terrain, nous avons Gwetros et Janus. Et en fait, on va faire des agressions maintenant. Il a deux joueurs dehors, enfin deux joueurs blessés. Donc, il va jouer à 10. Par contre, il n'a pas de joueur pour porter la balle. Je lui ai sorti un 3 quarts standard. Hein, ouais, un 3 quarts standard. Et un bloqueur costaud qui a blocage. Ça, c'est pas mal. On a un frénétique, hein, s'il veut se coller un peu à la touche. À quand les gobelins, Fred, c'est-à-dire? À quand les gobelins sur Blood Bowl 3? Alors là, autant te dire que je ne suis pas dans les petits papiers des concepteurs du jeu. On récupère une relance encore, ça c'est bien. Bah vraiment, mon assistant coach m'a bien aidé pour l'instant. Bah là, on le voit, hein. C'est grâce à l'assistant. Il a fait 1, j'ai fait 1, et mon assistant me donne une relance. Salutations à l'astre, comment tu vas? Alors, c'est moi ou il a mis un bloqueur costaud à l'arrière qui bouge de 5? Oh, ok, ça tient quand même. Donc il a plus qu'un blitz. Il va blitzer où? Sur mon gob. Logique, hein, avec un joueur qui attaque, là, tant qu'à faire. Le gob tient, c'est bien. Là, j'ai un 2D. Je n'ai plus de 2D. J'avais un 2D. Ah non, c'est avec un lanceur. Il a un lanceur, d'accord. Ouh, on peut aller mettre la pression là. Ces tacleurs sont où? Il y en a un là. Qu'est-ce que je peux faire ici pour mettre la pression? J'ai un 2D ici. J'ai un blitz ici. Oh, j'aime la pression, ouais. Toutes sortes de pressions, Lady. Je peux avoir un 2D là. Lui a pas blocage, hein, donc si je colle un Gnoblar, il aura 3D. Mais il a que 42% de chance de le coucher sans faire de turnover. Donc je peux annuler ce support, faire un 2D ici. Je peux même envoyer un Gnoblar là pour faire un push-push en fait. Et pour m'ouvrir le passage ici, esquiver là. T'es loin toi? Ah, t'es quand même loin de la balle. Mais tu peux aller coller le lanceur, ça fait perdre du temps. Il faudrait aller coller celui-là aussi.
L'autre tackleur est là. L'autre tackleur, j'aimerais bien le taper. Même combat ici. Je pense qu'on va mettre un Gnoblar là. Là, on va taper à 2D sur le tackleur. On l'a pas fait tomber, on va poursuivre pour le coller. Est-ce que j'ai envie de faire ce que je disais? 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait une esquive, deux esquives. Je tape à 2D, j'apporte un support, je pousse lui ici. Ça m'ouvre un boulevard. Et on y va? L'esquive est passée. Ok, fou. L'esquive est passée. On reste. Ah, il me gêne lui. Je me suis pas bien placé là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je peux aller le coller quand même, hein. En fait, ce que je voulais faire, c'était coller le tacleur. Est-ce qu'il va ici mettre la pression? Comme ça. Et comme ça. J'ai pas encore blitzé. Est-ce qu'il y a un truc qui m'intéresse là? Est-ce que j'ai envie de blitzer quelque part? Je pense que déjà on va apporter le chef ici. Ça va nous permettre de taper avec le troll. En tout cas, on va essayer de taper avec le troll. Hein. Allez le troll, fais-toi plaisir là. J'ai presque envie de blitzer comme ça, moi. À un dé. Je vais le faire, hein. Oh, bah ça, c'est chanceux. Hein. Je vais rester. Je vais marquer celui-là, parce qu'en fait, je veux pas qu'il ait 3D sur mon coureur d'égout. Allez, on met la pression. Comment tu vas, Dreamor? Salutations, Cascule. Comment vas-tu? Salutations le Hacta, comment ça va? Je vais revenir vers le centre. Bon, on sait que les snots hein, ont peu de chances de tenir. Petite commotion sur qui? Sur Coupeau Pops. Là ici l'idée c'est que si il me blitz et qu'il me fait pas tomber, je vais glisser à côté de la balle. Voilà, ça tient. Alors il a pas pensé que avec le support. Je vais faire quoi là d'ailleurs? Je vais me détacher. Je vais me mettre là. Comme ça, s'il me poursuit, il me libère celui-là. Parfait. Ça, c'est excellent. Et là, s'il y a un but, c'est qu'il ne le fait pas tomber. Je vais glisser contre la balle. Je vais peut-être même rester sur lui. Comme ça, il sera obligé de blitzer. Sera obligé de faire une esquive. Et ça tient par contre. Ça, c'est cool. Est-ce qu'il va relancer? Ah, dommage. Il fait un pot et ça, c'est bien dommage hein, parce que il a pas tacle. Je vais revenir en arrière, c'est pas la peine d'avancer ici. Puisqu'il va prendre la balle et revenir par là. L'armure tient, donc ça va. On est plutôt bien. Il a grillé une relance au moins. Cette fois, il a la balle. Ok. Est-ce qu'il va tenter des 1D? S'il fait un 1D ici et qu'il rate, ou un 1D là, ou un 1D là, c'est vraiment risqué pour lui. Hein. Voilà. Parce que là, il est obligé de griller sa dernière relance. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Qu'est-ce qu'on a à faire ici? Avec toutes nos relances?
Je crois qu'on va prendre notre temps, hein. 2D. Lui est libéré en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il n'y a plus de relance. Il nous reste combien de tours? Deux tours après ça. Donc je vais mettre mon coureur éventuellement en position de marquer. Je vais rester. Je vais le marquer quand même. Allez le troll, fais-toi plaisir. T'as les griffes, t'as la châtaigne. Allez, on va mettre la pression. Eux, tant pis, on n'a pas besoin de les marquer. Par contre, lui est en position d'aller marquer éventuellement. Bon, lui aussi, hein, mais il y a un gnoblard dessus, donc on s'en fout un peu. Si on peut lui marquer un deuxième touchdown avant la fin de la mi-temps, si on mène 2-0, on est vraiment bien. Je le répète une nouvelle fois, hein. Il a pas de relance, donc l'esquive ici peut rater, même si l'esquive réussit ici. Au pire, il peut pas aller bien loin. Ah, petit KO, on le prend. Là, j'ai fait exprès de me mettre ici loin, parce que s'il veut apporter un support, il est obligé de faire deux GFI. Je sais pas à quoi il sert ce tackler ici. Pourquoi il le met par là? Je sais pas trop. D'accord, ben voilà pourquoi. Ok. Il m'a fait tomber, non? Je vais me mettre là. Je vais l'éloigner en fait. Je vais me mettre là. Grâce à ça, je peux éventuellement aller mettre un support. Salutations le Muc, comment tu vas? Intéressant là ce qui peut se passer. Faut que je regarde qui est en position de marquer éventuellement. 1, 2, 3, 4, 5. Lui non. Donc lui non. D'accord. Sympa. Sympa, sympa, j'ai envie de dire moi. Je pense qu'ici... L'idée, ça va être GFI. Esquive, double GFI. C'est mon dernier tour, j'ai trois relances. On va tout tenter. On a le lanceur ici. Hop, on va faire contre-support avec le châtaigne. J'ai pas envie de faire des GFI avec le châtaigne, j'ai envie de le faire tomber. Blitz avec le frénétique. Là et là. Hop, hop. Allez, c'est parti. Cours, petit devine. Cours, petit devine. Bien, petit devine.
Allez. Allez, Cerbel. Voilà, ça c'est bien. Par contre, il faut pas que tu rattrapes. Oh, tu m'as fait peur. Ah! Ah! C'est peut-être le pire endroit. Ah, mais c'est le pire endroit! De toutes les cases qu'on avait ici, c'est vraiment le pire endroit! Ok. Donc ça on relance hein. Parce que on poursuit. Oh quel débile, je suis vraiment débile des fois. Je l'aurais mis là, j'avais pas de double esquive à faire ou de GFI. Sonner. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, passe. Esquive, double GFI, passe. Je vois pas d'autre solution, hein. Et touchdown. Eh bien écoutez, je vais vous dire un truc, je crois que cette action, je la prends. Ouais. Après, il y a des compétences, mais bon, j'ai été en réussite. Ouais, il est facile en ce moment, Muc, le jeu. Alors, 2-0. Il nous reste un tour, hein. Un seul tour. On va laisser le troll. On va laisser deux gobes. Et on va mettre tout le monde loin, loin derrière. D'ailleurs, je pense qu'on va sortir les Gnoblars. Les Snotlings. Bigadin, fais un effort maintenant, hein. Pour pas avoir de déferlement, on n'a pas besoin du déferlement. Et puis je vais pas tenter un lancer de Gnoblar. Par contre, ce que je peux faire, c'est me mettre en position de venir blitzer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'aller le blitzer si j'ai un. Si j'ai un tour gratuit. Ouais, je sais pas trop quand même. On verra. Salutations le script team, comment tu vas? Ok, coup de pied haut. Je suis assez surpris, il n'a pas mis les tacleurs sur les gobes. Bon, ça marche quand même, hein. Et puis je suis assez surpris, il fait pas de 3D. J'aurais évidemment fait un 3D, hein. Là, j'aurais fait un 3D aussi. Mais, ou même avec lui, hein. Sur combien de votants, Acta? Après, très chouette jeu, hein, réellement. Ah, il va agresser le gob, c'est ça? Alors tu n'as pas de corruption, mon cher ami, alors que moi j'en ai. Si tu te fais sortir un joueur et que tu te retrouves à 9. Allez, tu te fais sortir. Blessure critique, on la prend. Mais tu dégages.
D'accord, Acta. Ok. Alors, on va faire comme ça. On va rentrer un snot. On va rentrer un snot à la place de qui? Ok, il va peut-être blitzer mon snot comme ça. Je suis plutôt tranquille. On fait rentrer un snot, ça nous permet d'avoir un snot supplémentaire. Ou alors on ne met qu'un seul snot et on garde un gob. Mais comme je vais agresser, je préfère avoir un joueur de plus. Salutations Mérissi, comment vas-tu? Donc il va jouer à 9. Je sais plus, la troisième compétence c'est à combien? La troisième compétence primaire. 12? Doit être 12. Salutations Pascal, comment tu vas? Allez, un petit gnoblard pour agresser. C'est bien, on perd un tour, hein, tant mieux. On mène 2-0, donc un tour en moins, c'est très bien. En plus, la balle est très très bien placée pour moi. Ça, c'est qui? C'est le lanceur, donc il va pas la ramasser tout de suite, hein, je pense. Parce qu'il n'avait pas le mouvement avec le lanceur. Une nouvelle fois, je comprends pas bien, il fait pas de 3D. Ce serait tellement simple ici de faire un 3D. Ça touche quand même, hein. C'est plus pour toi, Mick. Le blitz va être ouf. D'accord. Blitz là, parfait. Ouais, ça veut dire que t'as joué 1750 heures, mais que t'es resté à rien faire pendant 1750 heures aussi. Si j'ai bien compris ta logique. Donc là, j'ai 2 dés avec châtaigne. On va commencer par ça et là je vais avoir un blitz sur le porteur de balle. Est-ce qu'il y a quelqu'un devant? Ah oui, il y a quelqu'un devant. Je l'avais pas vu. J'ai failli faire une erreur. Ensuite, on va venir là. Alors, blitz à 2D sur le porteur, si on fait tomber, évidemment. Ça, c'est fait. Et maintenant, on devrait avoir 2D vers 2D. Les balles tombent pas très bien, malheureusement. C'est un peu dommage, j'ai envie de vous dire. Il y a un tacleur ici. Le tacleur, je vais le taper à 2D. Il y a un tacleur au sol. Ça me va plutôt bien. Il y a deux joueurs sur le porteur, sur la balle. Mais on est au contact d'une châtaigne. Ça fait pas plaisir. Est-ce que je la ramasse? Ça me demande une esquive 3+, ramassage 3+. Bon, déjà, on va venir là. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça parce que maintenant j'agresse avec qui? Bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, j'ai une corruption. Cela, j'ai un plus 2. C'est que 42%. Je vais le tenter direct. C'est pas passé. On va faire le blocage là. Allez, le troll. Il veut pas. Hein.
3+, 3+, 3+, 2+, bien sûr. C'est vrai que c'est simple comme jeu en fait. Quelqu'un m'a répondu d'ailleurs sur le nombre de points qu'il faut pour la troisième compétence en primaire ou pas. Je crois que c'est 12, mais j'ai un doute. Et si c'est 12, j'aimerais bien aller faire marquer mon coureur en fin de compte pour le mettre deux têtes. Cela ici, deux têtes par exemple, ça aurait été magique, hein. Ah, 24 points en tout, ouais, mais alors du coup, j'ai pris deux primaires, ça devait être 6 et 8, 14, donc 10. Non, 8 c'est la deuxième cascule, deuxième primaire. Attends, mais j'ai le bouquin, là, juste là. Il a fait quoi? Un dé là? D'accord. C'est à moi, d'accord. Bon, je regarderai après. Salutations à Taya, comment tu vas? Alors, j'ai quoi ici? Là, j'ai un 2D. Mais je vais pas le faire tout de suite parce que si je le fais maintenant, je vais le repousser sur mon... Sur mon coureur si je le fais pas tomber. C'est pas drôle. Il veut pas faire tomber hein, ce satané à l'astre. Hein. On reste. Maintenant, là, j'ai le 2D. Ça, c'est bien. On va rester. Par contre, j'ai personne pour activer mon troll. Enfin, si, je vais pouvoir faire une esquive avec le gob, je pense, là au milieu. Hein. Je vais pas faire un 1D ici. Je vais venir là. J'ai envie de taper lequel? Lui, comme ça, je vais pouvoir coller le tacleur. Mais malheureusement, j'ai pas fait tomber. Est-ce que je fais le 1D vers 1D ici? Ah, le problème, c'est que si je fais un crâne ou le dé au sol, je me prends une châtaigne dessus. Si je fais pas, il peut tenter de me surfer. Franchement, s'il décide de me surfer, qu'il le fasse. La deuxième primaire, c'est le CE1. Non, c'est même le CED, la deuxième primaire, Pascal. Puisque le CP, c'est le cours préparatoire. Salutations Croque-Péon, salutations le Panda Dragon. Salutations Léon. De toute façon, je vais aller marquer avec mon coureur. Je pense que je vais lui mettre deux têtes, ouais. Je pense que blocage, glissade contrôlée deux têtes, ça va être une véritable horreur. Et du coup, j'ai pas regardé.
C'est dans quelle partie? Dans la partie expérience, peut-être? Tout bêtement. Alors, hausse de valeur, erreur coûteuse. Voilà, dépenser des points de star player. Compétence principale, 6 points, 8 points, 12 points. Il me faut 12 points, pardon. Il me faut 12 points. On va se mettre là. Donc les 12 points, si je marque, je vais les avoir, j'en aurai 13. Non, oulala, oups, je sais pas trop ce que je lui mettrais comme caractéristique. Le plus 1 en agilité, c'est vrai que le plus 1 en agilité, c'est magique parce que ça fait tout ce que te donne bah, les deux têtes, ce genre de choses. Mais je sais pas, je sais pas. Alors là, je pense que je vais blider ici. On va voir, on va y réfléchir. Il a blocage, zut, flûte. On va venir là. On va faire un 3D ici, hein. Et une agression très certainement. Je vais protéger mon chef par contre. Tu m'agaces un peu là, mon Arthag. Je vais rester en fait. Je vais protéger mon châtaigne. Là, il n'y a pas de tacleur sur moi. Là, il a. Ah, il y a lui. Lui, je vais essayer de le sauver. On va le laisser au sol. Les bâtons, c'était pour rembobiner les cassettes et les cailloux, c'était pour ton adversaire s'il gagnait. D'accord. Ah, rembobiner les cassettes. L'armure qui tient, c'est bien ça? Je pense qu'on va laisser tous ces joueurs-là au sol. Mais je pense qu'on va marquer direct, hein. Je sais pas s'il y a vraiment un intérêt à temporiser. Je peux même peut-être en planter un quatrième. Ok, agression sur mon frénétique. C'est pas très grave, hein. Je vais vous dire franchement, si mon frénétique il s'en va, ben, c'est la vie. Il va bien. Là, ici, je vais faire un 2D là. Et j'ai fait un blitz avec le troll. Un blitz à 3D quelque part avec le troll. Alors, on a dit un 2D là. Allez, le 3D. Eh bien, satané troll. Poursuit. J'aurais bien voulu le faire tomber, par contre. C'est dommage. Ben, on va agresser celui-là, alors. 3, 4, 5, 6, 7. Je vais faire les esquives, on va voir. Allez, fais-toi plaisir. Allez, Gouetros! Bien, Gouetros! Et est-ce que j'ai envie de faire marquer mon coureur d'égout réellement? Si je fais marquer mon lanceur. Ah non, si je fais marquer mon lanceur, il va lui manquer encore 4 points pour avoir blocage. Ouais, je vais faire marquer le coureur. Allez, on va lui remettre la pression. Oh, on est bien comme ça.
On reste comme ça? Ouais, carrément. Il va être à combien sur le terrain là? À 8 en plus. Ah, il va y avoir certainement des ouvertures. Le déferlement. Et en fait... Alors c'est quoi le coup d'envoi? Coach Brillant, on récupère encore une relance, on joue avec 4 relances là. Donc on va prendre quelques risques maintenant. Ça tient. Ah, il tape là, cette fois avec le tacleur. C'est plutôt une bonne idée, hein. Salutations Cavaliot, comment tu vas? Cavaliot, est-ce que tu as envie de parler de ce que Mark Dreamer vient de dire? Aujourd'hui, les jeunes cassent leur ordi. Je lis pas la suite, c'est pas la peine, mais qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, d'accord, elle a dû lui... Ah non, animosité. J'ai cru qu'il lui avait fait la transmission, qu'il avait ratée et qu'elle lui était retombée dessus. Non, il a fait l'animosité. Il n'a pas blocage. D'accord, on va avoir un 2D ici. Et on va blitzer un des tacleurs. À 2D. Avec le... À 3D, pardon, avec le... Avec le troll. Zut. Ok. Là, on va avoir un 2D. Non, pas avec le chef. Avec toi. 2D vers 2D. Parfait. Là, on va avoir 2D. 2, 3, 4, 5. Parfait. Allez, le 3D. Artak, t'es pénible. T'es pénible. On va poursuivre. Et on va aller agresser. J'aurai un moins 1 ici. Et par contre, il attaque là. Ça, c'est pas drôle. Ouais, mais en même temps, j'ai des relances. Là, on avait moins 1, mais en même temps, on avait plus 4. Donc, on avait plus 3. C'était mieux que sur celui-là, quoi qu'il arrive. Mais là, je lui donne un blocage, par contre. Hein. Salutations, Groovefunk, comment tu vas? T'es déçu par quoi, Lady? Mais certains adultes aussi. C'est vrai, Cavaliot, c'est vrai. Ah, parce que d'habitude, Lady, t'as vraiment besoin que je sois agacé pour le faire, bien sûr. Ok, blitzé qui, mon gob? Il a pas de tacle, donc je tiens, mais il va l'envoyer sur le tacleur, c'est plutôt bien joué ça. Bigadin, pense à changer la scène. Oh, c'est vrai, Lady. C'est vrai, il y a le jeu stream, bien sûr. Donc je vais le mettre juste après. Je suis en train de regarder ce que je peux trouver ici. J'ai envie de... Alors le troll va prendre une claque, non, 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 il n'y a pas de dé. Il pourrait avoir un dé éventuellement en apportant un support ici. Là, il fait quoi? Il va faire une transmission? Tour 15?
Animosité, il s'aime pas. D'accord, est-ce que je peux marquer un touchdown ici? Est-ce qu'il y a possibilité? Il me reste deux tours. Là, j'ai un 2D avec le troll, hein. On le sait que ça fait toujours un peu peur de commencer par ça. Là, j'ai un 2D. Est-ce que je vais le prendre tout de suite? Pas sûr. Alors, quelle est la solution ici pour tenter de marquer ce touchdown? Il n'y a pas de tackler là. Il y a la possibilité pardon, de temporiser un tour supplémentaire, mais de mettre un joueur en position de marquer. Le coureur, évidemment, hein, le mettre par là, par exemple. Ensuite, on avance le lanceur, on le met par ici. On commence à faire le ménage autour de la balle, c'est-à-dire on ne se précipite pas, en fait. On tape à 2D là, en apportant lui, 2D, on colle. J'aime assez bien l'idée. J'aime assez l'idée, ouais. Sauf que qui va blitzer? Alors attention parce qu'il me reste que 40 secondes hein, de temps supplémentaire. Hein. Qui va blitzer du coup ici? Je peux aussi faire blitz là. Et non. Oh, le troll, tu m'agaces. T'as été mauvais. On va poursuivre. Petite armure sympa. Petit chaos très sympa. Bon, le sonneau aurait été pareil. Hein. On va venir là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, j'ai plus de temps, mais bien sûr. Bien sûr, Bigadin. Tu l'as dit en plus qu'il te restait 40 secondes. Je pensais pas que les 40 secondes étaient passées si vite. Bah, c'est pas très grave. On va voir ce qu'on peut faire. C'est loin d'être fait, mais bon. Il va peut-être blitzer mon coureur avec son tacleur. Là, je suis en or. Groove Funk. Mais en même temps, j'ai joué 5 matchs. Hein. C'est mon sixième hein, seulement. Bah, ça arrive, hein, Groove Funk. Hein. Il faut pas l'oublier. Je comprends pas l'intérêt de ce blocage à 1D, en fait. Je sais pas. Ouais, il va blitzer celui-là, d'accord. On est d'accord. On est d'accord. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai quand même le mouvement si l'armure tient. Malheureusement, l'armure ne tient pas, mais j'ai toujours le mouvement ici. Avec ce joueur-là. D'accord. Pareil, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Un, deux, trois, quatre, cinq. Il faut que je fasse comment? Un, deux, trois, quatre, cinq. Là, blitz avec le gob.
Alors, séquence de transmission. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Ouais, je pense que c'était la meilleure solution. On lui a mis un joli 4-0 quand même. Je crois qu'il a pas vu le jour avec son équipe orc. C'est le troll qui a le joueur du match. Ça, c'est plutôt pas mal. Malheureusement, il a pas fait grand-chose, hein. Il a tapé, il a fait des 3D, il a pas fait tomber beaucoup. Il a passé une armure, mais il a fait un sonnet. Et on a pris 73 points. Salutations Astral Dream, comment vas-tu? On a pris 73 points. Même pas mort dans l'embûche, j'avais 3 relances en même temps, oulala, oups. Hein. Ok. Voyons le détail des gains. Ancien montant 365, on a gagné 100 000. Après, c'est l'avantage de marquer 4 touchdowns. Hein. Ok, voyons ce qu'on a. Je pense que... Je sais pas, je sais plus qui me disait éventuellement le point de caractéristique. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour ce point de caractéristique en fait? Le mouvement, on peut pas l'avoir. La force, je pense pas, il serait beaucoup trop cher. Donc en gros, il n'y aurait que l'agilité. Il y a combien de chances de tomber sur l'agilité? Salutations Lika! Comment vas-tu? C'est ça la question aussi, hein. 8 à 16. Donc ça fait 9 possibilités sur 16. Un peu plus de 50%. 9 sur 16, ça fait combien? 56%. C'est quoi mon bouquin? Ben, c'est le bouquin de règles, Ataya. Bigadin, pense à changer la C'est scène. le bouquin de règles de Blood Bowl? Une bière blanche à la mangue et poivre rose. Oula! Alors moi, je suis très vieille école pour les bières. Quand tu commences à mettre trop de choses dedans, pour moi, ça me paraît un peu bizarre, mais écoute. Et puis je suis pas très bière blanche. Il faut bien que je l'avoue. Salutations le Sarko. Comment tu vas? On a eu blindé, donc c'est le bras droit de l'orque Renégat. Et l'autre... Fitness Club. Orcidas. Excellent. Deux têtes, j'ai bien envie, hein. Allez, c'est parti. Franchement, deux têtes sur un coureur d'égout, c'est une véritable horreur. J'ai 9 points sur le blitzer. Hein. Attention. J'ai failli rater ça. Je peux mettre tacle. Tacle ou griffe? Tacle ou griffe, tacle ou griffe, tacle. Châtaigne tacle, ça va être bien.